Donc, salut tout le monde, et c'est Eric Bioli. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo YouTube. Fierté. On va faire. Aujourd'hui, on va essayer. Cette petite beauté. Une petite palette de chez Kylie. I love that, bitch. Avant d'appliquer mon fond de teint, j'ai utilisé cette crème de chez Garnier. Ça s'appelle le Pure Active Intensive, c'est un soin correcteur anti-bouton parce que je suis à l'âge où j'ai de l'acné et que l'acné jaillit ça, donc du coup je suis obligée de mettre ça pour que mes punaises de boutons se camouflent un petit peu, hein, et que ça traite en plus en profondeur et tout, et ça fait comme une hydratation de la peau et tout, donc c'est plutôt cool. Et j'ai utilisé le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal. J'ai utilisé la teinte Ivoire Rose. Ça vous pouvez trouver en grande surface. Moi franchement je suis super satisfait de ce fond de teint, donc je vous conseille vivement. Bon, maintenant on va passer au vif du sujet, on va passer à l'ouverture déjà de cette palette, parce que oui je vous l'ai montré, mais je n'ai pas enlevé la palette du carton. Donc comme vous pouvez voir, il y a un exemple de maquillage que nous pouvons réaliser avec cette palette. Juste derrière, à ce niveau-ci, nous avons le nom de chacune des couleurs présentes dans cette palette. Et maintenant, je vais l'ouvrir. Alors là, du coup, je viens de sortir la fameuse palette de son petit carton d'emballage. Je la trouve très jolie, avec marqué en grandes lettres Kylie, avec le marqué Kylie Jenner, parce que oui, c'est elle qui a créé cette palette. Voilà, ça se présente comme ceci. Le nom des couleurs sont encore marqués à l'arrière de la palette. Maintenant, ouvrons. Alors, voici la petite palette de chez Kylie, qui est de toute beauté, avec un pinceau fourni avec cette palette. Ça te sent toujours. Ah, ça te sent toujours. Bonsoir. Alors là, vous allez avoir une photo qui va apparaître sur l'écran avec le nom de chacun des fards que j'aurais swatché sur mes mains. Voilà, maintenant on va passer à l'application de ces fards à paupières de chez Kylie. Pour ça, je vais m'inspirer d'un look de Lady Gaga qu'elle a porté aux Grammys. Je vais vous mettre une photo pour vous montrer. C'est vraiment un look plutôt nude, vraiment, vraiment sale. Alors voilà, je viens de terminer l'application du fard à paupières. J'ai essayé de réaliser un petit smokey eye. C'est de la photo que je vous ai mis juste précédemment. Maintenant, on va passer à l'application du mascara. C'est le Black Lash. Ah oui, c'est ici. Ah oui, oui, oui. I love it, guys. Donc là, voilà, au niveau des yeux, c'est terminé. Je vous mettrai la photo de ses yeux juste à côté de moi. Maintenant, nous allons passer aux lèvres. Je vais utiliser le lip gloss de la marque Sion.
Voilà, la teinte, c'est la teinte numéro 30. Elle s'appelle Nude Lips. Donc, on va passer à l'application. Donc, voilà. Donc, voilà le résultat du make-up réalisé avec la palette de Kylie Jenner. Moi franchement j'ai trouvé que cette palette elle est superbe déjà, elle est très belle et que le produit, les fards s'estompent assez facilement et ils sont quand même assez bien pigmentés, donc franchement de très bonne qualité. Donc voilà pour cette toute première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, lâchez votre petit pouce bleu qui me fera extrêmement plaisir. Dites-moi votre avis en commentaire si vous trouvez ce que vous pensez du résultat, de mon maquillage, tout ça. Et voilà. Et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, ça me ferait très plaisir. Et si vous vous abonnez, surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je sortirai de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous fais plein de bisous et ciao. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, j'ai mis tous mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc n'hésitez pas à me suivre, ça me ferait très plaisir. Bisous.